what's up les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, wouhou, sur un nouveau serveur les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur le serveur Dynasty Humsay. Au plaisir les amis, que ça vous fasse plaisir que je commence un nouveau let's play. Et aujourd'hui j'ai décidé, que j'en avais déjà parlé avant, j'allais commencer un let's play en live. C'est aujourd'hui que ça commence tout ça les amis. Donc je vous explique le plan de match. Je suis en live durant les 10 épisodes, les 10 premiers épisodes que je vais faire. Je vais être en live, après ça je sais pas ce qu'on va faire, si je vais en faire en solo ou pas. Mais je sais que les 10 premiers vont être en live, en espérant que ça vous fasse méga plaisir. Donc en ce moment on est en live, il y a environ 50 personnes. On vient tout juste de commencer il y a à peine 20 minutes. Donc voilà, en espérant que ça vous fasse plaisir. Donc je vais dire quand il y a des follow, quand il y a des dons, vous allez tout entendre ça. Je suis désolé. Il y a aussi une petite musique de fond. Si vous voulez savoir c'est quoi la musique, c'est très simple, c'est la Phase Radio. Donc vous tapez Phase Clan Radio sur YouTube et vous allez trouver. Et puis voilà. Donc c'est tout. Si je te fais un don, on peut venir TS. Si tu peux faire un don si tu veux mon pote, mais j'ai aucun TS en ce moment. Donc je suis désolé pour ça, j'ai aucun TS pour te parler. Mais si t'as un TS, oui je pourrais venir sur ton TS. Y'a aucun problème, fais juste me donner l'IP. Et puis je viendrai. Merci du follow iProd. Et puis voilà, donc on va commencer l'épisode aujourd'hui numéro 1 en vous expliquant un peu le serveur c'est quoi, vu qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne doivent pas savoir c'est quoi. Mais je vais aussi vous parler de mon projet en fait sur le serveur. Donc comme vous voulez voir, j'ai terraformé l'île ici où je suis. J'ai commencé à jouer un petit peu. Et puis mon but ce serait de faire comme je l'ai fait à l'époque d'Horizon Craft. Donc genre vraiment customiser l'île, la mettre comme nous on la veut, genre vraiment stylée avec un genre de mini village, une maison, une genre de ferme, parce qu'on a déjà une vache là et une vache... Ouais, on est censé en avoir deux, mais je sais pas si on passait où. Elle est peut-être un peu plus par là-bas. Bon, bref, on est censé avoir deux vaches sur notre île. On pourra faire des reproductions, des trucs comme ça, donc ça reste stylé. Plaisir que ça vous fasse plaisir. On a un bon petit bout d'île ici. Je sais pas trop ce qu'on va faire avec celui-là. Il y a des poulets, il y a pas mal de trucs, donc on a quand même un bon spot. On est à quand même très loin du spawn. On était à presque la limite de la map, donc ça devrait le faire. Et puis, de toute façon, même si je me fais trouver la base, c'est pas grave, parce qu'il y aura une base claim dans les airs. On va faire un genre de truc... stylé dans les airs, un genre de... pas une skybase, mais un cube de psy avec des coffres sécu, etc. Donc voilà, au plaisir que ça vous fasse plaisir. Donc on va directement aller au spawn. J'ai pas cette de home ici, donc je vais faire cette un home à Island. Je vais juste l'appeler Hill, parce que voilà, YOLO. Slash spawn. On va vite faire... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais... what the fuck? Attendez, j'ai reçu un message vite fait. Ok, ok. Je fais juste vite fait regarder mes messages sur le Twitch. Il ouvre quand ton serveur? Mon serveur il ouvre bientôt. Inquiétez-vous pas, je vais vous donner une nouvelle là-dessus bientôt. Icon, bon voilà, c'est la même question. Qui peut m'aider quand je lance le launcher? Ça lance rien. Je sais pas, essaye de changer ta version de Java en la dernière version. Ça devrait fonctionner. Donc, les amis, le serveur, il a pas de truc spécial. En gros, il a juste plusieurs minerais. Il n'y a pas aucun nouveau minerai, truc. C'est tous des trucs de base, donc voilà. En gros, le cuir, l'or, le fer. Bon, je pense qu'ils se sont trompés parce que c'est le fer avant l'or, normalement. Mais bon, c'est un peu con, on va les pardonner. Ensuite, vous avez le diamant à la couche 016. Vous avez ensuite l'émeraude. Oh, yeah. Monsieur. Je TMP émoticône souriant. Je repasse plus tard émoticône clignant de l'œil. Bon stream. Merci pour les 1€, monsieur Barquette. J'apprécie beaucoup. Donc en gros ouais, c'est un serveur sous launcher. Il y a, donc ça l'évite les cheats, etc. Je crois que c'est quelque chose de plus intéressant. Mais voilà. Ensuite les amis, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je sais pas trop c'est quoi. Je crois que c'est une prison. Ça a l'air d'une prison, mais vraiment mal faite, on va pas se le cacher. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite ici on a une forge. Ben dans le fond normal quoi, pour fusionner vos items et tout. On va lui donner des fleurs parce que voilà, on est gentil. Prends les fleurs. Il y a ensuite des informations ici. Mais comme vous pouvez voir, des informations très importantes. Donc voilà. Ici on a quoi? Des biomes nether dans toute la map. Des biomes end dans toute la map. Ah ouais? Salut. Genre il y a mon skin ce bâtard. Ah le fils de pute. En gros, c'est genre un... What? C'est quoi ça? Est-ce que c'est comme des UHRN? Quelqu'un peut me répondre? Est-ce que c'est comme dans les UHRN? Genre, il y en a dans toute la map puis tout, genre, et ça aussi? Comment c'est quoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Merci beaucoup, monsieur Barquet, j'apprécie, mec. Hein. Et ouais, je vais aller voir MP. Après, une place d'enchantement, etc. Au calme.
Qu'est-ce que je peux vous montrer après? Je connais pas tous les ajouts du serveur, on va les découvrir ensemble. Je sais que l'obsidienne elle est cassable. Je sais qu'il y a les œufs de creeper parce que j'en ai un dans le kit semaine que vous allez pouvoir faire en vous connectant. Vous allez pouvoir faire kit semaine, et chaque semaine vous avez un œuf de creeper, de la TNT, de l'obsidienne et un armure en diamant. Oui c'est ça comme... Oui, Icon, c'est comme le Chiron. Parfait, ok. Donc voilà, Warzone assez plate, le spawn assez stylé. Personnellement, j'aime bien. Fais vite un slash play que je puisse vite fait montrer le spawn. Ça serait stylé. Et puis, sans me faire tuer. Et puis, voilà. Mais ouais, en gros, ouais, c'est quand même assez stylé. Je crois qu'il écoute le live, en fait. Donc, je peux lui parler tout. Mais ouais. Donc, en gros, j'espère, les amis, que ça vous fait plaisir que je débute un nouveau let's play. Je sais que j'en ai beaucoup en cours en ce moment, mais bon, inquiétez-vous pas. On va reclasser ça. Il y a beaucoup de choses qui vont se terminer, beaucoup de choses qui vont continuer. Donc, voilà. En gros, c'est un genre de spawn carré, avec un genre de forteresse, avec des arbres et tout. C'est vraiment stylé. Je vais juste... c'est dans Video Setting, Detail, Sky On, Cloud, Off. Voilà. Voilà. Donc en gros ouais c'est vraiment vraiment stylé, il y a genre des libellules, ça c'est une libellule, c'est vraiment bien fait en vrai hein, quand on y pense, attendez. Putain c'est une libellule, j'ai reçu du premier coup. En gros ouais c'est un genre de castle, un genre de château, c'est stylé, moi j'aime bien. Et puis voilà. Pack, j'ai pas de pack de textures, c'est le pack de base du serveur, si vous voulez le pack vous allez venir sur le serveur. Donc Infection ouvert ou pas, non mon serveur il est pas encore ouvert, il ouvre bientôt du moins. Je vais vous donner une nouvelle là-dessus bientôt les amis. Donc voilà en gros c'est ça. Oup là, voilà, c'est pas mal ça le spawn, c'est stylé. On va vite fait rentrer ici. Et on va se faire notre base ici, donc... Ah! J'ai tombé. Ouais, c'est bien stylé en vrai. Je vais pas aller dans le décor du spawn, ça serait stupide. Mais ouais, regardez à l'intérieur, ça donne ça. C'est quand même vachement stylé. Et puis, on va pas se le cacher. Ça rend badass. Donc voilà, je vous ai donné le vertige maintenant. Je vais me mettre au sol. Et on va aller vite fait créer notre base. Donc si je fais mon home, je vais perdre le fly, j'imagine. Donc on va aller Attends, je vais aller à la farm, je vais aller prendre tout ce qu'ils ont à la farm vu que j'ai un bâtard. Non en vrai je vais juste farmer vite fait. Je crois que il y a sûrement un shop des trucs qu'on va pouvoir voir aussi. Ouais, ok. Ils se sont fait un peu piller je crois. Mais je vais quand même prendre les melons. Les citrouilles, pardon. Parce que voilà, bah les couilles hein. C'était la farm à Kazok Stress. Et puis White Killer. Donc ils m'avaient TP ici. Et je crois qu'ils se sont fait piller, j'ai l'impression. C'est pas grave, moi je vais tout prendre. Puisque bah les couilles. Oh, melon. What the fuck, c'est pas censé faire ça normalement. Les melons d'eau sont censés. Les melons sont censés casser super rapidement avec avec la hache. C'est. Ah effectivement ça. Non les amis, ça c'est Dynasty MC. Vous pouvez taper point d'exclamation IP comme ça dans le chat du live pour pouvoir avoir le launcher. Vous allez voir, c'est un launcher assez stylé. Bon moi je l'aime bien. Après, je suis peut-être tout seul, mais pour l'instant je crois que je suis pas tout seul parce qu'il y a quand même une. Centaines de personnes, disons on va arrondir à 100, mais il y avait 100 personnes tout à l'heure. Pourquoi je m'appelle Icons87, c'est très simple parce que quelqu'un avait volé mon compte Icons normal. Donc j'ai pleuré. Et à la fin de cette vidéo là, je sais pas si je vais vous retrouver le bonus. En gros j'ai filmé un bonus, le fait qu'il était dans le chat et il parlait et tout, donc voilà. C'est en 1.8, Icons87, les pastèques. Ah ouais c'est vrai, t'as raison mec. C'est vrai, t'as raison mec. En espérant les amis que ça vous fasse plaisir, j'espère que vous allez, si ça vous fait plaisir, partager le live, si ça vous fait plaisir aussi, vous pouvez partager la vidéo si vous l'écoutez sur YouTube en ce moment. Si vous voulez la musique, comme je l'ai dit, c'est très simple, vous pouvez soit dans le live taper point d'exclamation musique, ou soit aller sur le YouTube et taper FaZe Clan Radio, et vous allez pouvoir le faire. En gros, ouais, bon, je suis dans la faction No Fake, donc voilà, c'est de la faction de Blade. Et puis Étoile de Mer, je crois que c'est Étoile de Mer le chef de la faction. Mais à la base j'ai rejoint à cause que je connais un des gars dedans, donc voilà. T'as vu la nouvelle mise à jour sur CSGO? Oui je l'ai vu les amis. C'est quand même bof en vrai, on va pas se le cacher, hein. C'est pas terrible. Et puis voilà, je vais juste vite fait prendre ça, puis on va vite fait aller visiter le shop. C'était juste pour avoir un bon truc pour pouvoir voir qu'est-ce qui va... qu'est-ce que l'économie du vieux truc. Yo mon Pika, ça va? Merci, oui ça va très bien, et toi? J'espère que tu vas bien. Yo Robin, yo Golden Mayo, gros fan dédicace à Billet. Jalise, bien mon pote Billet, Jalise, j'espère que je dis bien correctement ton nom. Grosse dédicace à toi. Et quand j'ai un big don, j'arrive. Mec, comme j'ai dit, pour l'instant, je vais pas prendre les dons, j'ai rien pour mettre les dons, donc je suis désolé. Mais aussitôt que j'ai de la place, ouais, inquiétez-vous pas, on va faire ça, je vais accepter. Donc, non vendable, et qu'est-ce qu'on fait? Faut cliquer là-dessus.
C'est comment on fait pour vendre? Ah, c'est juste les panneaux simples. C'est quoi ça? Ah, je tape un ticket de téléportation. Ah ouais, comme sur Skill PVP, c'est stylé ça. Eh ouais, ça c'est stylé, j'aime bien. Donc ça, on peut vendre tout ça, on peut vendre l'émeraude, on peut vendre tout, ok, stylé. Ingrédients, potions, on peut pas vendre grand chose en vrai. Hein. Enfin, peut-être que je suis perdu ou quoi, mais... What? Il lit tous les cours de la fac. Aucun PVP, level de gamer. Je connais aussi Aigrod, mais bon, Aigrod, bon, c'est... Aigrod, c'est un fanboy, donc voilà. J'étais mon Pika, il y aura une diffusion, mon Pika. Ouais, il y aura une diffusion. En gros, les épisodes qu'on fait en ce moment, je suis en train de filmer une vidéo pour YouTube, donc en gros, c'est l'épisode numéro 1, donc oui, il y aura une rediffusion de l'épisode. Mais il y aura aussi une rediffusion sur, disponible sur ma chaîne Twitch que tu peux aller voir dans mes vidéos. Donc tu vois, en ce moment, tu peux même voir mes derniers lives. Tu vas juste dans vidéo, tu vas voir tout les derniers lives qu'on a fait tous ensemble. Donc voilà. Je pense qu'on peut pas vendre les trucs, donc je sais pas, c'est bizarre. Le shop il doit pas être terminé à 100%, mais bon c'est pas... What? Non, j'ai pas l'impression qu'on peut les vendre en vrai. Je sais pas, mais je trouve stylé le shop. Je sais pas si je suis tout seul, mais je trouve vraiment méga stylé. Il est en train de le faire le bâtard. Donc on va pouvoir vendre. Oh yeah. Oh, je peux pas. Crusties, merci pour le don, mon pote. Ta maman, elle est M-E-C-H-A-N-T-E. Wow, merci pour les 2,50€, mon pote, j'apprécie. Et j'ai rien compris à ton message, mais c'est pas grave. Un gros merci à toi, mec. Donc, je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est chelou. Bref, on ira vendre ça après. Après ça, il y a le Warp K-O-T-H. Donc, je sais pas ce que celui-ci fait. Tu peux me passer la vidéo des Infinity Hacker? Je sais, j'en ai aucune idée. Mon pote fait juste marquer iFaction sur YouTube ou quelque chose comme ça, tu vas trouver. Donc, attendez. Suivez les blocs d'émeraude pour aller au KOTH. What? C'est méga stylé cet endroit, mec. Sans deck, c'est vraiment cool, c'est quoi? Mais what the hell? C'est vraiment bien designé. Mais what, c'est quoi en fait? Ça va pas maintenant en PVP, j'espère qu'ici on peut pas se faire tuer parce que sinon j'ai l'air con quoi. Je suis les blocs d'émeraude comme un con. Monte tout en haut. Attention trou. What? Une pause court. Attends, j'espère qu'il n'y a pas de PVP mec, sinon je suis vraiment dans la merde. Je sais pas, mais je le trouve stylé, mon pote, c'est stylé. Bon, j'ai l'impression que je vais me faire buter, mais bon, détail, tu vois. Oh, yeah. Merci, Crusties. Crusties. Quand la bêta, la flemme de regarder la fin de ta vidéo. la bêta pour mon serveur, les amis, c'est cette semaine. Donc, voilà. Ça va être durant la semaine, soit lundi ou mardi, je sais pas encore exactement. Donc on va monter tout en haut, je sais pas, putain c'est long de monter jusqu'en haut, mais merci à toi encore Crusties pour le don, ça fait plaisir. On va monter ici, ici. Le gars il me dit ici, il y a le PVP, t'imagines quelqu'un vient juste ici pour me tuer quoi. J'ai l'air con pas un peu quoi. Oh ouais putain, c'est stylé comme KOTH, je vais pas te cacher, bon je vais vite faire me tirer d'ici. Hein. Avant qu'il y ait des gens qui se ramènent. Voilà. Tu peux me passer la vidéo des Infinitateurs, comme je t'ai dit. En fait, tu parles, t'es schizophrène. Avec qui tu parles? Je suis en train de faire une vidéo, en fait, en ce moment, les amis. C'est pour ça. Moi, je vais prendre le fil. Bon, attends, je vais juste supprimer le fil-là, parce que tout à l'heure, en fait, il l'a oublié. Donc, je vais pas l'utiliser, vu que je suis pas un fils de pute. On va le mettre sur le côté. On va casser son panneau, vu qu'on est des bâtards. Voilà. Et puis, on va lui donner son panneau, vu que c'est du give. Et on va aussi... Il a tué mon mouton, le bâtard. Donc on va garder ça. On va faire ça, 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 c'est stylé. Et là, les amis, qu'est-ce qu'on va faire, en fait? C'est qu'on va tout simplement se retrouver dans une autre séquence. Parce que pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire, en fait? C'est que je dois un peu terraformer. Et puis je dois trouver un biome hiver pour trouver du bois d'hiver. Donc pour pouvoir l'acheter. Qu'est-ce qu'il a marqué? T'es mal le don que tu vas avoir du fils de pute qui fait le shop. On verra bien.
C'est toi le fils des putes en plus, je crois. Mais bon, détail. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, voilà, j'espère que la série va vous faire plaisir. Venez me rejoindre les émissions Dynasty. Ça me ferait vraiment un méga plaisir de vous recruter aussi. Je sais pas si on va faire une série une faction abonnée ou quoi que ce soit. Si je reste dans cette faction-là pour l'instant, je vais décider au courant du live. Donc, voilà. J'espère, les amis, que vous allez apprécier. Tu es chez qui pour la cour, mon pote? Je suis chez Vidéotron. Chez la fibre optique 128. Donc c'est le best du best. Tu peux pas avoir mieux au Québec. Donc j'ai ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, les amis, aujourd'hui. On se retrouve pour une autre séquence tout de suite après. Bisous. Yup, les amis, j'ai décidé de nous reprendre. Dans le fond, on va juste accepter quelques dons vite fait. Donc iGrot, il nous a donné un œuf de creeper. J'apprécie. Merci, mon pote. Je vais en avoir besoin pour les pillages. Ça et la TNT. Donc un gros merci à toi. Et puis merci, ça fait plaisir. Donc il y a Furious MC qui va sûrement nous lancer des œufs de creeper aussi. De l'émeraude et des melon seeds, mon pote, merci beaucoup. Oh putain, ça c'est bien, c'est stylé. Merci pour les œufs de creeper. L'œuf de creeper et surtout merci pour les melon seeds et l'émeraude, ça fait plaisir. Ensuite, on va vite fait se cacher encore. Parce que voilà, faut que les gens me trouvent. Parce que Balek, je vais me mettre ici. Tu pourras me faire une fac abonnée. Ouais, je vais sûrement en faire une, mon pote, sincèrement. Je crois que je vais en faire une. Pour l'instant, je suis avec Étoile de mer. Mais voilà, il est stylé, donc j'aime bien. TNT, merci mon pote iGrot, j'apprécie. Merci beaucoup. T'es sur quoi? Je suis sur Dynasty MC. Tu peux faire point d'exclamation IP pour avoir l'IP. Et aussi exclamation musique pour avoir le lien de la musique, de où ce qu'elle provient. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par une musique, vous allez voir vite fait. Tous les musiques passent en bloc de ce channel YouTube là. Est-ce que Better Spinning est considéré comme un cheat? Personnellement, je trouve que non, mais il y en a beaucoup de serveurs comme Epicube qui le considèrent comme un cheat. Donc, c'est à tes risques et périls. Oh yeah! Salut Icons, je voulais savoir si je pouvais avoir une clé bêta pour E-Faction 11. Merci. Mon pseudo Subito 11. Merci mon pote, j'apprécie pour le don. Tu veux une clé bêta, fais juste me... Ok, ben garde, tu m'as donné ton pseudo. Je vais te le donner, je vais le mettre sur la whitelist. Merci mon pote du don de 2€, ça fait vraiment méga plaisir. iGrot, donne les items, sinon je te banne. Donne les items, sinon je te banne. On va voir s'il rigole. Recrute bro, est possible de venir Skype ou TS qu'on lève ensemble, je reprends le FAQ. Ouais Squid, t'inquiète. Squid, va sur le TS d'Exion, je vais me connecter tout de suite après, je finis juste ma vidéo. Mais il est trop con en vrai. C'est le gars qui me donne les items et c'est lui qui va faire genre qui me les donne quoi. Merci mon pote. Merci, c'était quoi ton pseudo? Hop, il est disparu. Ben c'était... Attends. Furious MC, merci mon pote. Je me suis souvenu de ton pseudo, TMC, merci pour le don. Et puis voilà les amis, je pense qu'on va se laisser ici à moins qu'il y ait d'autres, quelques petits autres dons, mais voilà. J'espère que le premier... Je sais que le premier épisode est un peu court, mais c'est vraiment pour vous présenter le serveur, que vous venez me rejoindre et tout. Et puis voilà, en espérant que ça vous fasse plaisir. Donc voilà, je vais aller avec Squid, et puis le prochain épisode, les amis, on va faire quelque chose d'énorme. Voilà. Merci à tous d'être passés sur le live. C'est pas terminé, on continue pour le deuxième épisode. Mais merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce bleu si ça vous fait plaisir. Et puis venez me rejoindre sur Dynasty MC. Le lien est dans la description. Je vous aime, merci du follow, Arc et Kantos. Et puis je vous aime tous profondément. Oh putain, les gars, on est 72 en ce moment, donc un gros merci. J'apprécie, et merci à celui qui m'a donné Sharpness 1 en Emerald. Merci. Merci mon pote, j'apprécie. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée les amis, je vous aime. Ciao!